mes frérots, c'est tonton Démonexion. On se retrouve aujourd'hui, les gars, la dernière vidéo avant le départ en Tunisie. La Tunisie, les mecs, c'est maintenant. Les frères, prochaine vidéo que vous allez voir, les valises. Eh mec, je viens un tour de magie. Attends, t'as quelque chose dans ton oreille? Vas-y frère, tu as mis le doigt dans l'oreille, tout ce que t'as fait, gros. Prochaine vidéo, on va préparer nos valises, on va aller faire les derniers achats, on va aller acheter tout ce qui est bouée, tout ce qui est lunettes de piscine, tout ce qui est habits, tout ce qui est maillot de bain. Nadim, on va lui acheter un slip de bain. Ça va être... Et pour celle-là, ça va être... Bulletin. Ça va être quoi? Nous allons vérifier vos bulletins. Du coup, dans cette vidéo, mes frérots, on va regarder les bulletins donc de Rémi, Zizou et Nadim, mais aussi des abonnés. Vous m'avez envoyé vos bulletins, bon, mauvais, pas bon, moyen, tout ce que tu veux. J'ai pris une sélection au hasard, les gars. Nous allons commencer avec vos bulletins. Déjà, pour commencer, Rémi, t'es en 14. Moi, je suis en 4ème, mais en fait, c'est pour ça que je suis petit. Non, et en gros, c'était une classe. T'es en 3ème, tu passes en seconde, c'est ça? Et tu fais 1m30. Il fait 1m30. Donc Rémi, passe en seconde, les refs. T'as pas encore tes notes du brevet, malheureusement. On le saura pendant les vacances, donc moi, on verra ça plus tard. Brevet. Zizou a eu son année? Une année après le bac. Ok. Et je suis en DUT. Comme le BTS, mais c'est un peu plus dur que BTS en gros. C'est là, mais je suis passé en CD. Excellent. Ok. Donc on va commencer avec quel bulletin? Moi. On commence avec celui de Nadim. Il y en a pas, lui, ici. Pas. Mais il m'a dit qu'il y en avait un. Mais en fait je l'ai pas, elle m'a pas donné. Ah, je croyais qu'il y en avait un. Attends les gars, j'ai envie de vous dire une remarque pour le français. Mais tu fais pas de français, tu fais que des maths pour l'instant. Non mais je veux dire, les gars, pourquoi au lycée on doit faire le français mais on parle déjà le français? Français, alors pourquoi? J'avais jamais pensé les mecs. Mettez-moi dans les commentaires pourquoi on fait du français alors qu'on parle français. Au lycée. Commence avec le bulletin de Rémi. Rémi, est-ce que tu as ton bulletin? Ouais, sur l'ordi. On prend le dernier trimestre. Avant de commencer, qu'est-ce que t'as à dire avant de commencer? Okay. Après, tu pourras plus rien après, dire. Après, t'es moche. Il est déjà. Le premier et deuxième trimestre, c'est là où j'ai eu mes meilleures notes. Comme par hasard, le troisième, tu plus? Je veux plus savoir. Stop. Ça veut dire quoi? 1, 2 et 3. 4. 1, c'est trop nul. 2, c'est fragile. C'est éclaté. 3, non, non, non. 2, c'est éclaté. Commence pas à dire c'est fragile. 3, c'est moyen. 4, c'est super carré. On reprend. Pourquoi, quoi, au lycée, on doit parler en anglais, mais dans les musiques, on peut l'entendre en anglais en même temps? Ah ouais. Ouf. Donc là t'as 2 déjà. C'est le pire trimestre. Eh hey, déjà t'as 2. Déjà t'as 2. Vas-y. Quelques difficultés à l'écrit. Déjà tu sais pas écrire. Non mais on va parler clairement. On va parler clairement. Le prof écrit des choses, nous on parle français. Nadim, on parle français? Mais pas besoin d'apprendre. Mais Rami, ah tu t'appelles Rami, c'est pas Rémi? Oui c'est Rami. Toujours kawaïné. Attends, c'est pas d'où tu sors frère. Continue à s'investir à l'oral, à manifester de l'intérêt pour tous les sujets abordés. Son attitude positive a été appréciée. Malgré que tu sois pété ta mère, t'es gentil en gros. En gros c'est ça. Toujours cute. Mathématiques. Impossible, je suis trop fort. 89-8. 81. Non, je veux qu'on applaudisse, parce que là... Là, 3. Depuis quand t'as 3 en maths? Je sais même pas. Rami est un élève sérieux et travailleur, mais le niveau est un peu juste car il rencontre des difficultés dans cette discipline, notamment de raisonnement. Ça veut dire que t'es débile. C'est impossible. Pour l'instant, ça va. Éducation physique et sportive. Ah, c'est du sport. Ça sert à rien. Félicitations à Rémi pour ce beau bulletin ainsi que pour votre régularité tout au long de l'année. Je vous encourage à continuer ainsi l'an prochain. Bonne continuation. Entre parenthèses, Rémi est un peu gros. Ah, ok. Donc là, t'as eu 4. J'ai pas lu ça. 4. Quoi? J'ai pas lu ça. Art plastique. 4 aussi. En fait, dans les matières où faut pas réfléchir, t'es bon. Ensuite, éducation musicale. Fois dans l'année. Le bilan de ce trimestre est très satisfaisant. 3, ok. Elle avait la flemme. Ouais. Pareil. Histoire, géographie. Là, c'est une matière importante. Mais ouais. Pourquoi on doit faire de l'histoire, mais on a des livres pour lire les histoires? Ça, c'est une bonne question aussi. Ouais. Wow. Je suis en train de remettre en question toute ma scolarité, mec. Résultat juste correct. Rami devra encore approfondir son travail d'apprentissage et de rédaction lors du passage à l'écrit. Ça veut dire à l'oral ça va. Mais à l'écrit t'es pété. À part le français ça va. Là on passe en anglais. Mais des mots, pourquoi l'anglais? Pourquoi l'anglais? Participation active en classe. Les résultats sont très satisfaisants. Il faudra poursuivre les efforts au niveau de la grammaire. Bravo pour votre implication. Chichou. C'est bien, 4. Non, c'est bien. Espagnol. Donc là, on est sur 3 aussi, c'est carré. Mais t'es bon, espagnol. On doit apprendre à lycée. Mais on peut déjà entendre des chansons. La participation est tout. Pourquoi il a crié? La participation est toujours aussi active. Rami maintient ses résultats satisfaisants malgré les petites difficultés auxquelles il se heurte parfois.
toi. Je te souhaite le meilleur dans ta poursuite d'études. Elle t'aime bien. Vous l'avez eu tous les deux, hein. Chaque fois. Ouais, c'est vrai, les gars, il faut savoir que j'étais dans un collège, Zizou il a suivi, Rémi l'a suivi, Nadim va suivre. Il va tout gâcher lui. Hein. Ils connaissent tout le monde, Nadim. Ouais, je pense gâcher, Nadim, ouais. Nadim il va tout péter, ouais. Science vie de la Terre. Mais Rémi, t'as un bon bulletin. Les compétences travaillées ce trimestre sont acquises de manière satisfaisante, sauf parfois celles qui sont liées au raisonnement. Encore une fois, t'es bête. T'es bête, frère. Juste t'as pas de logique. Il est malade, il est bête ou quoi? Technologie. Ensemble correct, bon travail dans l'ensemble. Physique chimie. Le niveau est tout juste satisfaisant. En fait, je crois que le 3, ça doit être un 10-12, frère. Rami est volontaire, mais rencontre des difficultés dans les compréhensions des notions. Un travail bien rigoureux et indispensable. On arrive au bilan, on arrive au bilan. Quelques difficultés rencontrées dans de bon nombre de disciplines. Mais t'es éclaté, oh. Mais grâce à son enthousiasme et son sérieux, Rami compense ses lacunes et obtient de très bons résultats. C'est le pire trimestre. Bon continuation au lycée, Rémi. Tu m'as pris le pire trimestre. Bah c'est le dernier, c'est celui qui compte. Bah c'est celui où j'ai le moins travaillé. On peut dire que t'as fait un bon trimestre malgré tout. On verra ta note au brevet dès qu'elle arrivera, ok? On passe à Zizou. Zizou, c'est en 2 semestres, les gars, ok? Semestre, c'est 6 mois. Espagnol, 15 de moyenne en espagnol. Mais des mots, pourquoi Me llamo Zaïd. Pourquoi en espagnol? On doit parler en espagnol. Parce que c'est en Espagne. Parce qu'en fait, on peut entendre des chansons espagnoles dans la radio. Je sais pas. Et 7ème sur 77ème. Là, les gars, on a quelqu'un. Expression, communication, culture, c'est ça? 12-25. 43ème sur 90. Ça, tu peux dire que c'est du français. Hein. Le 7 que j'ai eu là qui m'a tout fumé. Ah oui, il y a les notes en plus. Ouais. Ensuite, ressources et culture numérique. 17. T'es 2ème. Eh! À l'informatique. Hey, coût, marge et prix. Nous ça, c'est des maths en gros. 16-40. Le premier à 19-80. Ouais. T'es maudit, moi, un calcul. Alors, 886-9. Je sais, c'est 165. 165. Relations contractuelles et commerciales. Ça, c'est du droit. Nous sommes à 12-24. C'était une matière compliquée, de ce que je vois. C'est compliqué. Ok, 7ème sur 90, c'est propre. Anglais du commerce. Et j'ai tiré 178. Je t'ai rectifié, mais c'est ça. C'est ça. Franchement, c'est ça. 16-57. 2ème sur 90. Le premier, marketing mixte. 13. 10ème sur 90, c'est propre. Ok. Connaissance des canaux de commercialisation. 11. Le premier, il a 15. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai douté. Il était bête. Mais regarde la note juste après. Oh my god! Et là, c'est des maths. Ah, mais il n'y a qu'une note aussi. C'est des maths. Ok, let's go! Technique quantitative et représentation. Le 8. 20. Le premier à 20. Là, mec, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit maths. Maths. Pourquoi mathématiques? À l'école, quand on est en CE1 ou CE2, on a appris les mathématiques, alors pas besoin de faire ça au lycée. C'est vrai. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on les a déjà appris, oui. Oh, ça veut dire qu'en prenant la moyenne de tout ça, t'as fini 3ème sur 90, mec. Ouais. T'es quelqu'un, Zizou. T'as 14 de moyenne. Oh là 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 là. Non, mais soyez fiers de votre frère. Pensez pas que j'avais des frères intelligents. À première vue, on dirait pas. C'est, en fait, c'est juste lui, là. C'est juste lui, frère. Lui, il a un problème mental. Zizou est très 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 clean. Toi, limite. Et lui, il est catastrophique. Mais t'as pris pire trimestre aussi. Ouais, d'accord, ok. Ce que je vous propose, les mecs, pour la dernière partie, c'est que cette fois-ci, on va voir le bulletin des abonnés. Je les ai sélectionnés au hasard, les refs. Donc c'est parti, on ouvre le premier, j'ai fait un gros dossier. Je vais prendre, je vais décaler, c'est parti. On va commencer avec 3ème trimestre, c'est quelqu'un qui est en 6ème, classe de 6ème. Donc c'est le frérot Lucas. Donc je vais dire juste le prénom, les gars, je dirai pas le nom de famille, je vais cacher tous les trucs, tout ce qu'il faut, ok? Donc, là on commence avec français. Français, on est à 7-9. Wow, regarde le début. Tu ne penses qu'à t'amuser et à bavarder. Quelle déception, mets-toi davantage de tes affaires. Et mets-toi au travail, tu verras que tu progresseras. Oh, il s'est fait allumer. Dès la 6ème. Hey, la prof, elle est là pour en découdre. Mais raciste. Je crois les racistes. Mais il s'appelle Lucas. Anglais, on est à 9. Lucas n'a pas pu se tenir compte des conseils prodigués au trimestre précédent. Son travail personnel et son attitude ont manqué de sérieux. Il a pourtant fourni de beaux efforts à l'école. Ah, ça va. Mais au final, la moyenne de la classe, elle est pas si haute. Ouais, ouais. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu peux dire pour que ça améliore? Lucas, si tu obtiens la moyenne, je te donnerai 100 euros. Ça, c'est une bonne motivation. 5,5. Ah non. Importante baisse des résultats. Lucas est moins investi et se contente de peu. Le travail en classe n'est pas assez soutenu pour être efficace. La moyenne de la classe est 10. Mais c'est quoi cette classe, frère? Il joue à Fortnite dans la classe, c'est pas possible, gros. Mais histoire, géographie, 9,7. Wow. Tiens, réveille-toi là. Moi j'ai envie de dire, je pense, il arrive au dernier trimestre, il s'est dit, vas-y, je m'en fous. Lucas, qu'est-ce qui se passe, mec? Sciences physiques,
Moyenne, 10,4. Lucas s'est laissé décrocher, tu vois ? Art plastique, 11. Éducation musicale, c'est un chanteur. C'est un chanteur, Nadim, c'est ton copain. Je pense que tu peux faire un duo avec lui. Je le déglingue. En sport, il est bien, ok. Oh. 10,60, comment il a eu 10,60 ? La pile. Tu t'en sors bien, mec. Non, Lucas, avec toi, là. Lucas, il va falloir fournir un travail un peu plus sérieux pour la 5e, mec. Ok, on compte sur toi. Non, pour le 7e. Pour le 7e trimestre. Est-ce que tu crois en Lucas ? Ouais. Tu crois en Lucas ? Non. Tu crois en Lucas Zizou? Ouais. Ok. C'est notre ami Kenzo. Kenzo. Ok. Donc on y va avec Kenzo. Kenzo, art plastique, 3ème trimestre, 19. Il a fait 17, 18, 19. Approche sérieuse, travail régulier. Comment ça? Moi j'aurais dit excellent, t'es trop fort Kenzo. Ouais, j'étais un crack. Anglais LV1. Oh la bête. 19, 19, 17. La classe 10. 10. C'est un crack. Pas comme si la classe elle avait 19, tu vois ou pas? Ouais. Les compétences de fin 4ème sont. Ah, il est en 4ème. Oui, ça appelle. 4ème, il passe en 3ème. Kenzo. Et en plus, Kenzo, c'est le prénom d'un gars qui. Il a là, il fume des cigarettes électroniques avec ses potes, tu vois. Kenzo, tu t'appelles Kenzo, t'es métis. Tu t'appelles Kenzo, tu fumes des cigarettes électroniques dans la pause. Kenzo, t'es métis. Moi, Kito. Éducation musique, 16, 18, 16. 16 de moyenne. Éducation sportive, 16. 19, 19, 19. Espagnol, 19, 19, 19. Français, 17, 18, 18. La moyenne de la classe, 11. Mais je pense que c'est le premier. Ouais, ouais. Là, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Kenzo? Attendez-moi, j'ai un truc qui fait encore mieux. Ouais. Histoire géo, même les grosses matières, frère. Ouais. 17, 18, 17, il est bon partout. Félicitations pour cette réussite. Maths, 18, 18, 19. Excellent trimestre. Wouah, physique, 17, 18, 19. Non, mais il a trafiqué le bulletin, frère. Oh, 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 science, qu'est-ce qui s'est passé? 17, 16, 10. Il a rien mis. Elle a rien mis. moi, je dis c'est la faute à la prof. Ouais. Voilà. Elle est peut-être raciste aussi. Je pense qu'elle est raciste. Moyenne générale, 17, 18, 17. Regarde la moyenne de la classe. Allez, on continue avec le troisième bulletin. On continue avec notre ami... Bullien. Il a dit Bullien. Bullien. On est à 11 de moyenne, moyenne de la classe, 8. Résultat en baisse dû à un manque de travail et de sérieux. Insolence, provocation, vise à faire de l'obstruction pédagogique. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Délinquant. Mathématiques, 18. Délinquant. Va là-bas! Provocation, frère. Mais c'est là, il est. Ouais, en fait, ouais. Là, il joue à Fortnite! Une seule évaluation réalisée. Ah, c'est pour ça la 18. Résultat satisfaisant, mais attitude souvent perturbable. Mais lui, il fout trop le bordel, je crois. Je crois qu'il joue à FIFA. Élève motivé qui s'implique. Ok, sauf en art plastique. Anglais, excellent résultat, propre. Intervention maths. Capacité gâchée. Par une attitude souvent inadmissible. Ouais, je crois qu'on est tombé sur un gars, il fout que le bordel. Mec, on continue. Je te donne vers 1000 euros. Par un comportement inadmissible. Votre attitude et votre comportement en classe sont toujours inadaptés. Regarde l'appréciation globale. Résultat tout à fait honorable, terni par un comportement inadmissible. Là, c'était le premier semestre. Il m'a envoyé son deuxième semestre. Histoire géographie 6. Chris a baissé les bras mais n'a pas relâché ses efforts pour faire de l'obstruction pégade. Ah, il s'appelle Chris. 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 T'es chiant. Résultat catastrophique dans la plupart des matières. De plus, l'attitude très agitée, perturbatrice et insolente et s'est fortement dégradée. Mise en garde, travail et conduite. Frérot. Oh, j'ai jamais vu un bulletin comme ça, frère. Ouais. J'ai vu Rush Kid du lycée. Il est parti du lycée. Non, ça n'existe pas, Rush Kid du lycée. Non. Bon, bah les frérots, on arrive à la fin de cette petite expertise de vos bulletins. Dans l'ensemble, c'est pas correct. Les mecs, normalement, chez Tonton Démonexion, on est sérieux. Malgré que ce soit des gags, ils sont là, ils ont des résultats. Voilà. Donc les gars, ceux qui ont eu des petites difficultés, je veux que l'année prochaine, vous cartonniez tout ça, les refs. Normal. Je veux que vous fournissiez un bon travail l'année prochaine. Profitez de vos vacances pour revenir fort l'année prochaine. On se retrouve samedi les mecs pour la première vidéo en direction de la Tunisie. On va acheter les gars les dernières affaires pour partir en Tunisie. En attendant les refs, cassez-moi les pouces bleus si vous avez kiffé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Désolé à ceux qui sont pas passés, il y aura peut-être d'autres parties, on verra tout ça. Je vous fais des bisous les refs. À samedi. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.